Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. Certains enseignements de Jésus. À l'âge de 30 ans, Jésus manifesta clairement qu'il n'était pas un simple homme. Il se mit à prêcher et à exhorter les gens à se repentir de leurs péchés et à s'en détourner pour se soumettre à Dieu et obéir à ses commandements. À ceux qui voulaient savoir qui il était, il dit « Venez et vous le verrez ». Jean 1, 39. Suivez-moi, Marc 1, 17. Mettez-vous à mon école, Matthieu 11, 29. De grandes foules l'accompagnèrent partout où il allait et tous l'écoutaient avec étonnement. Ils l'appelaient maître car il enseignait avec beaucoup d'autorité. Personne n'a jamais parlé comme cet homme, s'exclamèrent-ils. Jean 7, verset 46. Citons quelques-unes de ces merveilleuses paroles. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Matthieu 5, verset 9. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Luc 6, verset 37. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Matthieu 6, verset 44. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? Matthieu 6, verset 26. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec force, avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Matthieu 7, versets 24 à 25. Nous rappelons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Illustration par Miltiadis Christophoridis. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la chaîne, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, afin de profiter des dizaines d'ouvrages, des centaines d'ouvrages et des dizaines d'auteurs dont nous avons pu préserver le patrimoine. Nous vous disons au revoir et à bientôt.